Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour un nouvel épisode Papy Corse éclate sur Action Rival. Là, ça va être le singe Gamma avec 12 baryonyx seulement et un Yuti avec un seul survivant. Donc, c'est des baryonyx pas très haut puissants. Hein. Je vais vous montrer ça. Nous sommes donc le jeudi 23 mars 2023, il est 19h35. Donc, c'est parti pour le singe Gamma. Donc, je prends un baryonyx au hasard, je tape et là il nous fait du 296 de dégâts sur le mannequin, donc c'est pas mal, c'est même bien. Donc là on va le remettre dans le rond, on va bien le mettre dans le rond, faut pas qu'il dépasse, surtout pas. Voilà, là je le mets bien dedans. Donc 12 baryonyx avec en moyenne ils ont 10 000, allez on va dire 11 000, 11 000 de vie maximum et 7 à 8 000 minimum de vie. Ils ont des armures, la plus petite c'est une légendaire à 67 d'armure. Bon, mais ça passe, on vient de faire l'araignée, c'est passé aisément. Donc là le singe c'est plus facile. Normalement faut pas qu'il tombe dans la fosse les baryonyx, sinon bah j'ai tout faux. Donc là normalement c'est bon. J'ai des armures qui montent jusqu'à 135 quand même. Je me suis pris un pompe avec 193% de dégâts. Allez, on va reprendre un autre baryonyx pour vous montrer un petit peu. Vie 10 000, hein, 10 000 de vie, 522 d'attaque, c'est le meilleur, 522 d'attaque. Par contre, je mets la viande de poisson dans chaque baryo, mais lui n'en avait pas. De la viande de poisson crue, c'est leur mets préféré au baryonyx. Voilà, je vais en mettre deux slots. J'ai pris 200 cartouches. Pour faire le singe, bon, je pense que certains d'entre vous le savent, il faut être habillé en fourrure, hein, parce qu'il fait froid. On a assez froid. Alors là, il en a 36, celle que j'ai pris tout à l'heure. Lui, il en a 40. Allez, je vais pas le retrouver maintenant, lui. 36. C'était lequel ? C'était lequel que... C'est celui-là peut-être, non? Ouais, c'est celui-là. Voilà, on va lui mettre de la viande de poisson. Donc, je vous fais voir mes compétences. Mes compétences, j'ai 900 de vie. Hein. J'ai fait une amnésie hein, quand j'ai fait le boss de Lost Island où je me suis rétamé contre le bêta. Hein. Mais bon, j'aurai ma revanche. 900 de vie, 90 de résistance. Et 250 de poids hein, avec l'armure en fourrure hein, surtout en fourrure parce que il fait froid. Du breuvage, une gourde d'eau polymère avec 3 rations d'eau, 34 viandes cuites, mon fusil à pompe, j'ai pris une lance, bon pourquoi pas, l'appareil du taxidermiste, mais ça on s'en fiche un peu. Voilà, donc on va y aller hein. Les artefacts, je pense que vous les connaissez hein, pas de soucis. Les artefacts, ça n'a pas bougé. Il en faut 3. La bête, la meute, le dévoreur, tout simplement. Et on va pouvoir y aller. Alors, je prends. N'oubliez pas de poser votre chibi si vous en avez un, parce que si vous revenez pas, il est perdu. Hein. Voilà. Et le Yuti pour finir. Le Yuti, il a 27 400 de vie avec une attaque de 504 et une armure de 90, on va dire. 89,6. Bon bah c'est parti hein, Banzai hein. Bah ça va Alexandre, ça va, tranquillou tranquille, no problemos. Allez, on y va pour le singe, et on aura fini avec les baryonyx pour le gamma. Le dragon on attendra, hein. On va attendre un peu. Hein. J'ai jamais fait tout seul, donc faut que je m'habitue. Allez c'est parti Banzai, le singe gamma, avec 12 baryonyx. Hein. Je vous fais voir, il y en a bien 12, de toute façon vous faites arrêt sur image et vous regardez la créature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 12 baryonyx et le Yuti, ça fait 13 d'immune. Allez. Donc on va démarrer face à l'arène. Je vais faire me suivre tous et attaquer la cible. Alors je vais mettre un petit coup au singe et comme ça ils vont y aller directement. Donc attention à cette fosse là parce que s'ils tombent dedans on les perd. Donc on va bien sur la gauche hein, comme d'hab. J'ai mis me suivre tous, siffler.
Voilà, ils sont tous derrière moi, il y en a 12. Et on y va avant que le singe ne sorte de l'arène. Parce que si le combat se fait dans l'escalier, dans les marches, ça va être compliqué. Parce que avec le recul après, le singe... Ah voilà, ça y est, j'ai fait attaquer la cible et là ça fonctionne. Voilà, ça y est, ça fonctionne, pas pour tous. Pas pour tous, parce qu'il y en a qui viennent. C'est pas grave. Allez, on va les booster. Voilà. Donc le singe, pareil que l'araignée, hein, il fonce sur nous, hein, il fonce sur le survivant, il ignore les baryonyx. Lui, ce qu'il veut, c'est nous dégager. Hein, et les boss, ils veulent dégager les survivants parce qu'ils savent que si on dégage tous, la partie, elle est finie, elle est gagnée pour eux. Donc là, il me suit. Il me suit. Voilà. Donc là, on est déjà presque un tiers, on est un quart. Donc, je regarde ma vie du Yuti, c'est bon. Voilà, donc là ils empêchent le Yuti de le singe de venir me voir. Pourtant j'ai pas de chance. Allez, donc on va essayer d'éviter de se faire toucher. Alors les DPS, j'ai pas trop vu. C'est des coups de 217 apparemment. Bah, comme l'araignée, hein, la même chose. On va les booster. On est à combien? Là on arrive plus qu'un tiers. Il y a des moments où les baryonyx lâchent prise et ils vont attaquer les petits. Donc ça permet aux singes de venir m'attaquer dessus. Mais bon, c'est bon, je suis confiant, il n'y a pas de problème. 217, hein, je vois le meilleur hein, de DPS, c'est pas terrible, hein, je pense que c'est pas terrible. Le petit singe contre moi, bon, il reste moins d'un quart, ça va, tranquille ou tranquille. Pas de problème, tous les singes me suivent là. Voilà, là on est à 2 minutes 35. Voilà, 2 minutes 35. On n'a plus pour longtemps. Voilà, 2 minutes 42, 43, 44, 45. 2 minutes 45, on va faire moins de 3 minutes. Voilà. Moins de 3 minutes, aucune perte. Tranquille ou tranquille. Ouais, aucune perte. Voilà, voilà. Bon bah ça va, hein, vous voyez, 12 baryonyx, ça suffit, hein, c'est pas la peine d'aller chercher des gros T-Rex, des gros spinaux, des gros Megatherium. Vous prenez baryonyx, un mâle, une femelle, 150, 145, 130, 135. Et puis vous les rapportez, vous en faites 12. Ah non, c'est comme ça. Voilà, vous en faites 12 et puis voilà, le tour est joué. Par contre, essayez d'avoir un schéma assez conséquent. Essayez d'être à partir de 100, allez 80, allez on va dire 80. Si vous êtes à 80, vous n'êtes pas trop mal. Légendaire ou mythique. Bon, tranquille, hein, vous avez vu, hein, Nico Clash, Axandre, le baryonyx. C'est un bon dino pour l'araignée et le singe, hein, c'est kiff-kiff. Hein. C'est kiff-kiff, ça passe sur les deux. Hein. Contrairement aux loups, les loups c'est bien pour le singe, mais c'est zéro pour l'araignée. Hein, donc, je peux pas reculer là, je vais être bloqué. Bon, ouais, voilà, hein, impeccable. On va voir s'ils ont pris beaucoup, mais bon, je pense pas. Hein. Allez, on va prendre celui-là. Il a pris 800. Hein, allez, on va dire 1000 de vie. Hein, 1000 de vie en moins. Bon, bah, ça va, c'est pas méchant. Hein. Donc, ça c'était mes remplaçants. Hein, j'en ai fait pas mal. Je devais en faire avec les 15. Et puis en fin de compte, je me suis dit 12, ça suffit. Puisque comme j'ai fait avec 11 loups l'araignée, je me suis dit 12 baryonyx avec des bonnes selles. Ça passe et c'est passé. Allez, là, on va faire hop là celui-là. Donc un petit coup de taxidermiste. Hein, et puis on va mettre ça sur notre palmarès. Hein. Allez, toi, hop là, voilà. Donc c'est le 9e, hein, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est le 9e dino que je tape le singe gamma que je réussis. Hein. Voilà, on va mettre le 9e, notre trophée, 1, 2, voilà. Et voilà, les barrios, c'est fini, et on va préparer maintenant les spinaux. Voilà, voilà, donc je vais ranger tout ça tranquille hors Twitch.
sans problème. Je vais redonner ma combinaison en fourrure. Donc je le mets ici, comme ça j'ai pas besoin de le chercher de partout. Je vais récupérer mes affaires. Hop, hop. Voilà. Ça c'est cool. Je me rhabille. Hop. Voilà, c'est fait. Ah, il est pas habillé lui le mannequin. Comment cela se fasse-t-il? Faut hop, les mains, les pieds. Et sinon alors froid le mannequin, attention. Ah. Déjà il s'est pris des coups avec le spinot le mannequin tout à l'heure. Voilà, c'est fait, nickel. Bon ben voilà hein. Oui, 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 les spinos, je pense qu'avec 10, hein, je vais en prendre que 10, avec des, j'ai le schéma de la mythique. Donc, Nikors, il m'a dit qu'on pouvait pas en mettre 20, parce que ça passait pas. C'est tellement que c'est gros et long, qu'on peut pas mettre 20 spinos dans le cercle. Donc, de toute façon, je l'aurais pas fait avec 20, le maximum, c'est 16, hein, c'est 15... de la même race et mon Yuti. Donc, le maximum, c'est 16. Mais là, je pense qu'avec 10 spinos et un Yuti, tranquille. Franchement, tranquille. Les Tilakolao, non, les Tilakolao, mais non, ça marche pas, les Tilakolao. Mais non, je me suis fait avoir. Ils n'ont pas été parce qu'ils peuvent pas faire le singe et l'araignée, puisque ce sont des grimpeurs. Et les grimpeurs, c'est juste pour aberration. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé face à face avec l'araignée tout seul et mon Yuti. C'est bon. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une très très bonne soirée. Hein. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous lire, hein, Nico Clash, Axand. Et puis, salut, hein. Noukous. C'est ça, nous. Je vois, j'ai du mal à voir. Hein. Salut, Noukous. Bah, là, je m'en vais. Il hein. Y a peut-être. Il y a peu d'eau à l'arène de la broute, peut-être que ça va les booster, peut-être. Bon, on verra bien, Nico Clash. Hein. On verra bien. Bon, bah, je vous souhaite une très très bonne soirée. Hein. Merci de m'avoir suivi. Puis rendez-vous donc bah, normalement à demain. Demain est vendredi avec Nicor, c'est pas tout. Voilà. Bonne soirée, hein, merci. Hein. Ou peut-être tout à l'heure, j'y pense pas. Enfin, je pense pas. Si Nicor s'y vient, on fera le bêta vite fait en Twitch. Sinon, à demain soir. Allez, ciao, ciao, merci. Hein. Bye bye.